Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et bien retourner sur ma chaîne. Moi c'est Maki et aujourd'hui on va commencer une série de vidéos. Voilà, j'ai passé des jours en train de feuilleter les réseaux en cherchant des vidéos qu'on va regarder ensemble. Voilà, des vidéos qui parlent de l'islam, des vidéos qui sont en vogue, des vidéos aussi d'où on peut en tirer des enseignements. Donc on commence. Sigla. Et nous voilà de nouveau, donc on va regarder cette vidéo d'un chrétien qui est venu poser des questions à nos oustazes. Il a eu le courage de venir défier nos oustazes, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc après la nuit, tu n'en es pas dedans. Je vais être un peu dans le courant. Quand on prend les 114 sourates, dans le fait jusqu'aux hommes, ça fait 114 sourates, 6236 ayats. Normalement, un seul verset du Coran où est imam, si vous trouvez des musulmans, moi je vous lance un défi. Où est un seul verset du Coran où c'est écrit imam? Dans votre mosquée, est imam. Alors, il veut voir le verset dans le Coran où c'est écrit imam. C'est la première fois que j'attends un chrétien venir poser cette question aux musulmans. Mais je crois qu'il va rester étonné parce que je crois qu'il doit être bien le mot imam dans le Coran. Oh là là, franchement, il savait qu'il y avait ces mots. Après, j'allais bien les voir dans le Coran, mais on va voir sa réponse. On va voir sa réaction. On va voir sa réaction, franchement. Attends, il est sérieux, c'est crio. On veut juste se le dire. En fait, je crois qu'il est... Il est paniqué, en fait. Il s'est rendu compte qu'il ne devait pas poser ces questions, donc c'est pour ça, je crois. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur lui a posé à prendre par certains commandements, et qu'il l'a accompli, le Seigneur lui dit, Amen, il dit à Abraham, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Il n'a pour qu'il puisse pas prendre le mot imam. La il m'a dit, non, pas la rose, il m'a dit, Attends, mais est-ce qu'il est au courant que le Coran est en arabe? Est-ce qu'en islam, oui. Est-ce qu'un imam est un guide? Ça, c'est notre oustaz béni qui a pris la parole. Un imam, après vous, un imam est un guide. Vous avez envie de quelque chose? On sent que quand on est un imam, on sent le verset. Si un imam est un guide, on sent que le texte est rendu dans le texte, mais guide là. Guide, ça vient rejoindre le mot qui est en arabe. C'est-à-dire, un imam est dit le verset en arabe. Dans la Bible, il y a pasteur. Il faut le montrer le verset où il y a pasteur. Mais bon, il y a verset où il y a dit imam. Alors, il a dit que dans la Bible, il a dit que dans la Bible, il y a le mot pasteur. On doit dire aussi que le pasteur dans la Bible n'est pas effectivement les pasteurs d'aujourd'hui. Je crois qu'ils n'ont rien à voir. Franchement, c'est vraiment incroyable, les gars. Et je crois qu'il s'est rendu compte de l'erreur qu'il a fait. Et je crois que prochainement, avant de venir lancer un défi musulman, il va réfléchir deux fois et surtout, il va bien, bien lire le Coran, surtout en arabe. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Allez vous abonner aux pages de nos oustas parce qu'ils donnent beaucoup d'enseignements et nous, on aime la dawa, on aime l'interreligieux. À la prochaine. Salam, salam.